Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. La Bibliothèque de Rennes et les Champs Libres sont très très heureux de vous proposer une soirée exceptionnelle. D'abord pour le public rennais, ici présent, très nombreux. Donc merci à vous d'être présents. Et aussi pour les internautes, puisque cette séance de l'Oulipo est retransmise en direct sur le site des Champs Libres. Donc un petit rappel, nous fêtons à la Bibliothèque de Rennes et aux Champs Libres depuis le mois d'octobre le cinquantenaire de l'Oulipo, le cinquième millénaire, accompagné avec une très belle exposition que nous accueillons jusqu'au 3 janvier 2011, consacrée donc aux 50 ans de l'Oulipo. Et puis un certain nombre de rencontres autour de l'Oulipo, mais aussi d'autres ouvroirs comme Lou Pimpo, Lou Pol Pot, Lou Bapo hier soir et d'autres rencontres que vous avez pu découvrir ou que vous découvrirez jusqu'en décembre. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir un certain nombre d'Oulipiens pour leur fameuse séance mensuelle publique qui se déroule habituellement à la Bibliothèque nationale de France et qui a lieu ce soir exceptionnellement pour le cinquantenaire ici à Rennes. Donc je vais vous les présenter. Tout d'abord Hervé Letellier, ensuite Marcel Benabou, secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif à titre provisoire, Paul Fournel, le président de l'Oulipo, Anne Garetta, Jacques Jouet et enfin Frédéric Forté. Donc la séance se déroule durant une bonne heure. Elle est ponctuée de lectures. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci Bénédicte. Alors comme nous sommes en direct sur le web, nous allons faire une lecture sérieuse et grave afin qu'il ne puisse pas filtrer de grossièreté au dehors. Nous allons pour l'essentiel lire des textes issus de nos deux dernières productions. D'une part, C'est un métier d'homme, qui est paru aux éditions Mille et une nuits, et d'autre part, qui n'est pas encore paru, mais ça ne saurait tarder, Le Petit Oulipo, Rue du Monde, qui est un ensemble de textes destinés à nos jeunes et moins jeunes lecteurs, et qui devrait paraître la semaine prochaine, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Demain, en fait. Demain. Et puis nous allons ajouter à ça, demain. Alors rendez-vous chez vos libraires, ouvre vers 9h demain. Donc 10h. Vers 10h. Ouais. Alors donc normalement, si vous vous comportez normalement, vers 11h, on réimprime. Donc à vous de jouer, c'est une sorte de défi, comme ça, que nous vous confions. Donc pour commencer, on va ajouter des textes qui bien sûr ne sont pas dans ces deux livres, puisque je viens de vous dire qu'on allait lire des textes de ces deux livres, et c'est Jacques Jouet qui va nous lire Résistance. La Résistance. L'un des livres de Marcel Benabou de l'Oulipo s'intitule encore d'ailleurs, La Résistance africaine à la romanisation. Voilà quelques variations sur ce titre. La Résistance africaine à la romanisation. La résistance balkanique à la nazification, la résistance nénette à la soviétisation, la résistance gaullo-communiste à la collaboration, la résistance des accros à la chocolatisation, la résistance des endettés à la clochardisation, la résistance des pensées à l'obscurantisation, la résistance des cerveaux à la léguminisation, la résistance des addicts à la droguisation, la résistance de La Fontaine à la monostication, la résistance oulipienne à la méchoniquisation, la résistance républicaine à la libéralismisation, la résistance palestinienne à la colonisation, la résistance africaine à la FMisation, la résistance argentine à la dollarisation, la résistance démocratique à la manichéismisation, la résistance shéhérazadienne et dinarzadienne à l'islamisation, la résistance des bois d'ébène à leur transportation, la résistance des hérémistes à la paupérisation, la résistance des corps à la désimmunisation, la résistance du franc CFA à la dévaluation, la résistance individuelle à la syndicalisation, la résistance rennaise à la clouification, la résistance du poète à la constipation de plumes, la résistance des vaches à l'ESBisation, la résistance états-unienne à la kamikazisation, la résistance indienne à la christianisation, la résistance de l'anophèle à la kininisation,
la résistance internationale à la mondialisation, la résistance indienne à la cowboyisation, la résistance intelligente à la simplification, la résistance postale à la privatisation, la résistance gouvernementale à l'imprivatisation, la résistance fillonienne à l'inénervabilisation, la résistance adolescente à la couvre-hortefeuxisation, la résistance littorale à la marénoirisation, la résistance quotidienne à la policiarisation, la résistance octoriale à la mise-en-scénisation, la résistance tout court, la résistance nostalgique aux oublifications de la réunification, la résistance des listes à l'impensibilisation de l'inclassification, la résistance de l'insondable à la sondagisation, la résistance interidentitaire à l'apartheidisation, la résistance des citoyens à la CRSisation, la résistance stomacale à l'enchérissement des denrées nécessaires, la résistance africaine à la caricaturisation, la résistance historienne à la mémorialisation, la résistance des pensées à l'impensibilisation, la résistance buccale à l'imprononçabilisation, la résistance langagière à la barbarisation, la résistance artistique à la hideusification, la résistance collective à la brigadification, la résistance corporelle à la pétrification, la résistance sensible à l'anesthésisation, la résistance populaire à la pipolisation, la résistance des tracts à la dépolitisation, la résistance marcellienne à la proustisation, la résistance greffienne à l'inspiration, la résistance frankensteinienne à l'intégrisation, la résistance religio-raisonnable à l'intégrismisation, la résistance mecnessienne à la nostalgisation, la résistance oulipienne à la mélancolisation, la résistance lupinienne à la moutonisation, la résistance normalienne à la normalisation, la résistance marcellienne à la Pierre-Paul-Jacquisation, la résistance marie-chélienne à la mésinspiration, la résistance cheyenne à la conquête de l'ouestisation, la résistance littéraire à la littérarisation, la résistance infraordinaire à l'extraordinarisation, la résistance électricienne à la chandélisation, la résistance de ce poème liste à sa finition. Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas. À descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord, parce que quand l'homme est en haut de la montagne, il veut descendre en bas. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain. Je suis descendeur. Il y a eu Tony Seiler, il y a eu Jean Vernet, il y a eu Hermine Mayer, il y a eu Franz Klammer, il y a eu les Canadiens, et maintenant, il y a moi. Je serai cette année champion du monde et aux prochains Jeux Olympiques, j'aurai la médaille d'or. Je suis l'homme le plus équilibré de la montagne, le plus calme, le plus concentré, et mon travail consiste à fabriquer du déséquilibre. Tous les grands descendeurs fabriquent du déséquilibre. Descendre plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur. Skier de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas sur vos pattes, jusqu'à ce qu'une génération entière skie comme vous. Dans une vie de descendeur, on ne peut inventer qu'un déséquilibre génial et un seul. Les Canadiens sont arrivés sur le cirque avec la réputation de Crazy Canucks, et deux saisons plus tard, les 50 top descendeurs du cirque glissaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand descendeur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je glisse à temps plein. Je glisse en montant l'école sur mon vélo, en plein été. Je vis avec un sac de sable de 50 kilos sur les épaules pour mieux glisser. Je souris aux masseurs et aux skiman parce que je sais qu'ils m'aident à glisser. Je casse la tête de mon entraîneur qui est nul parce que je sais que cela m'aidera à glisser. Prenez deux hommes, à égalité de poids et de matériel, sur la même piste. Mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui glisse le plus vite. L'Optraken qui commande le premier schuss de la Strife à Kitzbühel, je le fais 1000 fois par semaine. Les bosses de la fin de Wengen, celles qu'on prend avec les jambes de plomb, je les fais chaque soir avant de me coucher. Je sais toutes les pistes du cirque au centimètre et à 140 à l'heure,
je les vois passer au ralenti. Je me prépare aussi pour ces pistes molles et indécises que les hasards d'attribution des Jeux Olympiques nous imposent, des pistes tordues qui permettent à un Leonard Stock, le slalomeur, de devenir un champion de descente. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient la position de votre petit doigt de pied. C'est le doigt de pied qui fait la médaille. Vous avez raboté la semelle de la chaussure, vous avez changé 14 fois de chaussons intérieurs, vous vous êtes mis en colère et vous avez perdu pour 2 centièmes aux ouches sur la oreiller qui lit parce qu'en entrant dans le chousse à battandier, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était votre petit doigt de pied. Quand je dors, je travaille. Quand je mange, je travaille. Je dessine mes trajectoires, je modèle mes appuis, mes cuisses et mon dos sont intraitables. Je porte sans cesse sur le menton la marque de la jugulure du casque. Jugulaire du casque. Lorsque le starter me libère sur la rampe de départ, il libère des tonnes de travail. Après, il reste un descendeur sur la piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes et qui glisse pour arriver en bas de la montagne plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis il y a un moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, le repos absolu, le repos du descendeur. Vous avez passé le grand gauche et le grand droit à fond, vous rentrez dans le dévers et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide qui n'est pas d'inattention puisque les descendeurs ignorent l'inattention, qui vous tire quelques centimètres en dehors de la ligne idéale et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu 20 centièmes, puis très vite 1/10 et la course. Plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes plus un descendeur, vos muscles se relâchent, votre esprit se libère. Vous savez que vous allez vous casser la gueule. Mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. C'est un art d'homme. D'abord parce que lorsqu'il y a une femme, l'homme a envie de la séduire. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes et une seule femme dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. Un art humain, je suis séducteur. Il y a eu Don Juan, il y a eu Valmont, il y a eu Casanova, il y a eu Sacha Guitry. Il y a eu les acteurs américains et maintenant il y a moi. Je serai cette année champion du monde et s'il y avait des Jeux Olympiques, j'aurais les médailles d'or. Je suis l'homme le plus équilibré de la soirée, le plus calme, le plus concentré, et mon art consiste à fabriquer du déséquilibre. Tous les grands séducteurs fabriquent du déséquilibre. Séduire plus vite, c'est d'abord séduire autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Faire peur. Sourire de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas la distance jusqu'à ce qu'une génération entière sourie comme vous. Dans une vie de séducteur, on ne peut inventer qu'un sourire génial et un seul. Les Américains sont arrivés sur le marché avec leurs appareils d'orthodontie en titane, on les appelait les dents de la mer, et 2 saisons plus tard, les 50 premiers séducteurs souriaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand séducteur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je séduis à plein temps. Je séduis en poussant mon caddie au rayon surgelé du surpion. Je m'entraîne à sortir avec une barbe de 2 jours, des cheveux hirsutes et des vêtements sales pour mieux séduire. Je souris à l'esthéticienne Eden Men et à la fille siliconée du point UV Soleil parce que je sais qu'elle m'aide à séduire. Je casse la tête de mon coiffeur qui est nul. Parce que je sais que cela m'aidera à séduire. Prenez 2 hommes, à égalité d'intelligence et de matériel, dans la même soirée. Mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui séduis le plus vite. La jeune fille agrégée, spécialiste de Hume, je la fais 1000 fois par semaine. La femme d'ambassadeur d'un pays du sud-est asiatique, celle qu'on prend avec les jambes de plomb, je la fais chaque soir avant de me coucher. Je sais toutes les femmes de mon quartier au centimètre et lorsque je m'y promène, je les vois me sourire au ralenti. Je me prépare aussi pour ces femmes molles et indécises que les hasards des dîners chez des collègues de travail nous imposent.
les cousines éloignées de province, complexées et tordues, qui permettent à un Daniel Auteuil, pourtant pas vraiment expansif, de devenir un séducteur. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient un pli de votre fossette. C'est le pli de votre fossette qui fait la conquête. Vous avez changé 3 fois de chemise, vous avez mis l'eau extrême plutôt que égoïste ou Paul Smith for Men. Vous avez coiffé vos cheveux avec un Ralph Lauren aspect mouillé invisible. Vous avez souri toute la soirée, fait de l'humour et vous avez perdu pour 2 centièmes avec cette Danoise de la banlieue de Copenhague parce qu'en lui tendant un cocktail vodka, orange, Campari, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était le pli de votre fossette. Le pli de votre fossette. Quand je dors, je travaille. Quand je mange, je travaille. Je dessine mes sourires, je modèle mes mouvements. Mes dents et mes mèches sont intraitables. J'ai sans cesse en tête 3 répliques d'un humour ravageur. Lorsque mes chaussures fortes séries en cuir noir me propulsent dans le grand salon, elles libèrent des tonnes de travail. Après, il reste un séducteur sur la piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes et qui séduit pour arriver à la femme plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du séducteur. Vous avez passé la coupe de champagne et le « vous êtes une œil pascale » à fond. Vous rentrez dans le « je suis producteur de cinéma et vous » et vous faites avec votre verre de Saint-Julien cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide qui n'est pas d'inattention puisque les séducteurs ignorent l'inattention. Il vous inonde la chemise et le pantalon qui tache la robe de votre interlocutrice. Et là, c'est le vrai repos. Le repos immense. Un concurrent s'approche de la femme, puis très vite un autre. Plus rien d'importance. Vous n'êtes plus un séducteur. Votre sourire se relâche, votre parole se libère. Vous savez que vous allez vous casser de cette soirée. Donc, pour préciser, Paul Fournel, vous avez eu la première nouvelle de son recueil « Les athlètes dans leur tête ». Et c'est à partir de sa nouvelle que Hervé a écrit le texte que vous venez d'entendre. Presque tous les Oulipiens se sont engouffrés dans la brèche. Et moi, j'ai fait ceci, moyennement. Mon métier consiste à remplir des formulaires, à les remplir le plus lentement possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est devant un formulaire, l'homme n'a pas envie de le remplir. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes devant un formulaire, ils veulent tous le remplir plus lentement les uns que les autres. Un métier humain, je suis fonctionnaire. Il y a eu Bartleby, il y a eu Oblomov, il y a eu Pessoa, il y a eu Franz Kafka, il y a eu les Corses, et maintenant, il y a moi. Je serai cette année employé modèle, et sur le prochain tableau d'avancement, j'aurai gagné 1 échelon. Je suis l'homme le plus équilibré de tout le ministère, le plus calme, le plus discret, et mon travail consiste à fabriquer du temps de pause. Tous les grands fonctionnaires fabriquent du temps de pause. Remplir les formulaires plus lentement, c'est d'abord remplir les formulaires autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Faire peur, cocher les cases de telle manière que les autres soient persuadés que vous allez forcément accélérer, jusqu'à ce qu'une génération coche les cases comme vous. Dans une vie de fonctionnaire, on ne peut inventer qu'un temps de pause génial et un seul. Les Corses sont arrivés dans la bureaucratie avec la réputation de fanulon et congénito, et 2 exercices plus tard, tout le monde glandouillait comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand fonctionnaire est un état qui exige un abandon absolu de soi-même et une distraction totale. Je glandouille à temps plein, je glandouille en faisant des photocopies pendant des heures. Je vis avec un manche à balai dans la main pour mieux glandouiller. Je souris à la femme de ménage et au dépanneur de machine à café parce que je sais qu'il m'aide à glandouiller. Je lèche les bottes de mon supérieur qui est fantastique parce que je sais que cela m'aidera à glandouiller. Prenez 2 hommes à égalité d'expérience et de hiérarchie dans le même ministère. Mettez-les dans 2 bureaux identiques et c'est toujours moi qui glandouille le plus. Le rapport mensuel obligatoire, je le fais 2 fois par an. Le dossier urgent qui tombe le vendredi à 16h55, je l'ai oublié avant même d'aller me coucher. Je sais tous les couloirs du ministère au centimètre et à 2 à l'heure, je les vois passer au ralenti. Je me prépare aussi pour ces audits vicieux et impromptus que les ordonnances ministérielles nous imposent. Les coups tordus de la hiérarchie qui permettent à un Pierre Ménard, le scribouillard du 16e secteur, d'obtenir une prime exceptionnelle. Tout compte dans votre carrière.
Un jour, l'essentiel devient le nœud de votre cravate. C'est le nœud de cravate qui fait l'avancement. Vous avez choisi une couleur passe-partout, vous avez vérifié que les rayures étaient de la bonne largeur, vous vous êtes mis en retard et vous avez loupé le premier service à la cantine parce que, en vous regardant dans le miroir de l'ascenseur, vous vous êtes demandé si votre nœud de cravate n'était pas trop lâche. Quand je dors, je dors. Quand je travaille, je dors. Je griffonne sur mon bloc-notes, me canarire dans mon fauteuil. Pour mes pauses café et ma sieste, je suis intraitable. Je porte sans cesse sur la joue la marque de mes phalanges, incrustées. Lorsque la pointeuse me libère dans les couloirs, elle libère des tonnes d'heures de sommeil. Après, il reste un fonctionnaire dans un ministère qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui glandouille pour remplir un formulaire plus lentement que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie. Le seul moment de vrai travail, de travail incontournable, le travail du fonctionnaire. Vous avez évité de justesse votre supérieur en tournant à gauche dans le couloir. Vous vous précipitez vers le local à photocopie et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide qui n'est pas de précipitation, puisque les fonctionnaires ignorent la précipitation, qui vous fait rentrer de plein fouet dans le chef de cabinet. Et là, c'est le travail qui vous tombe dessus. Vous avez déjà perdu l'anonymat, puis très vite, on vous colle 1, 2, 3 dossiers sur les bras. Tout devient important, vous devenez autre chose qu'un fonctionnaire. Vos muscles se contractent, votre esprit s'obscurcit. Vous savez que vous allez devoir faire des heures sup. Je vais vous lire un morceau de chapitre d'un livre intitulé « Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ?» J'ai pris le chapitre intitulé « Livre unique ». J'ai longtemps cru que l'on naissait écrivain. Il suffisait ensuite de laisser mûrir en soi un nombre convenable d'années ce précieux germe pour qu'apparaisse un jour le premier livre, comme était apparu auparavant, à son heure, la première dent. Tout cela devait s'organiser spontanément et sans effort particulier, à l'image de ce qui se passe au cours de certaines heures de rêve, lorsque se mettent soudain à foisonner les idées et les formules. Des pages semblent alors s'écrire toutes seules, les mots appellent les mots, des verbes se bousculent, des adjectifs se chevauchent, et l'on assiste en spectateur ébloui à une fête préparée par un autre. Cette fête de l'écriture, il me semblait qu'à tout moment, elle pouvait advenir, et qu'il suffisait d'un discret appel pour en déclencher le mécanisme. Fort de cette certitude, je ne mis aucune hâte à commencer mon œuvre, entre guillemets. Je refusais volontairement le risque de produire par impatience un de ces livres juvéniles, prématurés et maladroits, dont certains se permettraient de dire qu'il contient des promesses ou qu'il est un exercice de style. Mon souhait, en ce temps-là, eût été de pouvoir publier d'un seul coup et le plus tard possible quelque chose comme des œuvres complètes. Un ensemble cohérent où seraient apparus, dans leurs articulations complexes, les éléments principaux de ma vision du monde. C'était ainsi que l'on s'exprimait en ce temps-là. J'y aurais tout à loisir expliqué mes prises de position sur les grands débats de ce temps, dénoncé, fustigé les tares de notre société, posé les bases d'une société plus fraternelle et plus juste. Ces thèmes étaient absolument inévitables dans les écrits comme dans la conversation quotidienne des jeunes gens de mon époque. Et même avec un peu de chance ou de talent, j'aurais peut-être réussi à proposer un nouveau type de héros, à imposer un nouveau genre littéraire, voire, vœu suprême, une nouvelle forme d'art, synthèse révolutionnaire, là était le mot-clé, de tout ce qui était jusque-là connu. Je laissais donc à d'autres les angoisses du premier livre et ses joies un peu frustes. Du haut de mon promontoire, je m'amusais à contempler l'agitation dont étaient saisis quelques brillants jeunes gens de ma génération. Ils avaient décidé qu'ils seraient écrivains et, avec une logique platement utilitaire, entreprenaient aussitôt de faire ce qu'il fallait pour le devenir. Tout leur était bon, romans, nouvelles, essais philosophiques ou politiques. Ils se hâtaient de mettre au monde une première œuvre en parfaite résonance avec le goût du jour, comme s'il ne s'agissait que de franchir une étape de plus dans le parcours initiatique qui avait constitué jusque-là l'essentiel de leur vie. Une étape et une épreuve donnant le droit d'entrer dans cette société pour laquelle je conservais le mépris qui avait cours parmi mes vrais amis.
Le refus d'arriver, de saisir les occasions, de profiter des circonstances, bref, le dégoût de l'habileté sous toutes ses formes, telles étaient nos valeurs. Tout succès était suspect, preuve qu'on n'avait pas su viser assez haut. Sans un idéal inaccessible, point de vocation authentique. Je vais vous proposer une note en bas de page à une des résistances qu'a évoquée Jacques Jouet à l'instant, la résistance des listes à l'impensibilisation de l'inclassification. C'est une matière oulipienne, puisque l'Oulipo s'emploie à procurer à quiconque en conçoit le désir ou le besoin, non seulement des méthodes et des principes pour écrire des livres qui n'existent encore que potentiellement, mais aussi des méthodes et des principes pour ranger ceux qui ont existé, existent actuellement ou existeront, et même ceux que l'on possède déjà. On peut dès lors considérer l'Oulipo comme un presque parfait pharmacon ou gift qui offre aussi bien le poison que le remède, au moins un palliatif à défaut d'une cure. Il me suffira de citer, parmi les docteurs oulipiens, qui se sont adonnés à cet art difficile. Parmi les docteurs donc de notre mal imaginaire, quelqu'un comme Paul Brafort et ses bibliothèques invisibles, ses hyperbibliothèques chromatiques, ou alors ses bibliothèques ordonnées, vous en avez un exemple au troisième étage de cette bibliothèque. Je rappellerai encore l'existence d'un précis de nosologie dû à Georges Perec qui est intitulé « Note brève » sur l'art et la manière de ranger ses livres. Les efforts oulipiens d'invention de principes de catalogage, de classification et ordonnancement m'apparaissent toutefois cruellement insuffisants encore à ce jour, et je n'en veux pour preuve que le malaise indéfini éprouvé tous les jours à la vue et à l'usage de ma propre bibliothèque personnelle, malaise auquel aucun des traitements classiques, aucune des prescriptions oulipiennes ne parvient à apporter le moindre apaisement. Ce n'est pas seulement que, selon le syndrome diagnostiqué par Georges Perec, qu'elle déborde de partout. Ce n'est pas seulement qu'elle multiplie pièges et obstacles sur la voie d'une vie réglée, méthodique et productive que je me promets depuis longtemps. Non, ce malaise insistant tient à la vanité et à l'inefficacité de tous les principes de classement dont j'ai usé jusqu'à ce jour, même combinés, ajustés et appliqués avec rigueur, et qui tous ont échoué à ordonner, ne serait-ce que momentanément et même partiellement, le bordel de langue où je mène ma vie entièrement déréglée par une damnable libido de lecture. Une vie rangée exigerait une bibliothèque rangée. Or, plus je range et classe, plus ça déborde, moins je trouve ce que je cherche, et plus je succombe à ce que je ne cherchais pas. J'ai donc relu encore une fois la note brève de Georges Perec et constaté que tous les traitements qu'il mentionne me paraissent au mieux des calmants de la douleur anthropique, un opium pour le peuple des lecteurs. C'est parce que les catégories qu'il propose de mettre en œuvre et l'espace qu'elles sont censées ordonner entrent en contradiction. Comment en effet ranger une bibliothèque personnelle selon des classifications et des ordres, disons, publics, c'est-à-dire impersonnels. Je songeais à ça une nuit dans mon lit, en me promenant mentalement de rayon en rayon, et je me suis rendu compte que jamais mes livres ne se présentaient à moi par ordre alphabétique, par ordre de genre, de série, discipline, de couleur ou même de reliure, mais selon des liens et des particularités qui échappent à la raison publique. Et donc, j'ai développé une série de principes personnels de rangement des livres que je vous soumets et qui peuvent peut-être vous aider si vous rencontrez le même problème que moi. Voilà. On peut donc opérer soit des partitions intégrales d'un ensemble ou de plusieurs ensembles ou encore des regroupements locaux. Premier principe d'ordonnancement d'une bibliothèque personnelle. Une bipartition simple de n'importe quel ensemble de livres peut s'opérer selon le principe russellien suivant. D'une part, les livres où l'on se souvient avoir rencontré au moins une fois le mot « livre ». D'autre part, les livres dont on n'a pas souvenir qu'ils aient pu contenir le mot « livre ». C'est très simple. Deuxième principe.
C'est un principe d'ordonnancement local. Livre écrit sans E. Livre qui n'offre, heureusement, pas la moindre ligne de dialogue. Livre qui s'épargne les descriptions en focalisation interne. Livre qui abuse de la description en focalisation interne. Livre écrit sans verbe. Livre écrit sans ponctuation ni orthographe. Et livre sans intérêt. Principe numéro 3, un peu plus subtil. Livre qu'on imagine ou sait avoir fait partie de la bibliothèque de Kimboat, l'annotateur de feu pâle. À côté, les livres que Rodolphe aurait pu offrir à Emma s'il avait été Valmont ou Hervé Letellier, et non Rodolphe. Livre des collections de la Vatican capable de justifier l'acte gratuit de l'Afcadio. Et enfin, juste en bas, livre susceptible d'expédier de rechef Paolo et Francesca da Rimini en enfer. Principe numéro 4, très efficace. Livre, en haut, que si l'on avait été Jean-Jacques Rousseau, on n'aurait lu que d'une main, et qu'on lit le plus souvent d'un œil distrait. Juste à côté. Livre qui, à force d'en causer ou d'en entendre parler, finissent par sortir par les yeux. Un peu plus loin, les livres écrits par des écrivains sans oreilles. Tout à côté, les livres qu'on ne peut lire qu'affligés d'un rhume. Juste en dessous, les livres casse-burne. Et enfin, et c'est énorme, no-brainers. C'est de l'anglais. Vraiment. Principe numéro 5. Et celui-là est très efficace, et je pense que toute une partie de la philosophie contemporaine peut être ordonnée selon ce principe. Livres écrits dans une langue, alors qu'évidemment ils ont été pensés dans une autre. Livres prétendument écrits en français et qu'on croirait pourtant traduits d'une langue étrangère, probablement pas même indo-européenne, par une machine de traduction automatique. Livre apparemment écrit sous le coup d'une indigestion de métaphysique allemande. Et enfin, et c'est la plus belle catégorie, livres dont on ne sait s'ils ont été écrits prétendument en français par une machine de traduction automatique ou alors sous le coup d'une indigestion de métaphysique allemande par une machine de philosophie automatique. Principe numéro 6, extrêmement délicat et mon préféré. Les livres où l'on rencontre des baleines, à distinguer des livres qui ne présentent pas la moindre petite baleine, à distinguer encore des livres d'où ont disparu, on ne sait pourquoi, les baleines qu'on y imaginait. Principe numéro 8. Une autre partition est très simple, c'est les livres casaniers et les livres nomades. Parmi ces derniers, les livres nomades, on pourra distinguer les livres qui ont été achetés sur l'autre rive de la Seine, ou alors du Rhin, ou alors de la Tamise, ou alors de n'importe quel fleuve. Les livres qui ont traversé au moins une fois un océan, les livres qui vous ont manqué une nuit à 3h du matin et cruellement parce qu'ils étaient demeurés sur l'autre bord de l'Atlantique, les livres ensuite qui présentent un penchant certain à migrer à la première opportunité sous les lits. Il y en a beaucoup. Et enfin, les livres qu'on a emportés plusieurs fois à la campagne sans autre conséquence que de leur faire prendre l'air. J'accélère un petit peu. J'arrive au principe 10, qui est le principe essentiel, en fait, dans l'ordre de la littérature, je crois, le principe ultime. Les livres offerts par quelqu'un que l'on aime, aimait, a aimé. Les livres dont on a parlé avec quelqu'un que l'on aimait. Les livres dont on aurait aimé parler avec quelqu'un qu'on a aimé. Les livres dont on imagine qu'il pourrait ou aurait pu plaire à quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé. Les livres qu'on soupçonne quelqu'un qu'on aime ou a aimé d'avoir lu sans jamais s'en être éclairci. Les livres qu'on n'aurait jamais lus si quelqu'un qu'on aime, qu'on aimait, ne les avait désignés à votre désir. Les livres qu'on aimerait ou qu'on aurait aimé lire ou lire avec quelqu'un que l'on aime ou a aimé sans jamais le lui avoir dit. Les livres, enfin, sans lien d'aucune sorte avec l'amour de quiconque, mais cela, qui s'en souvient ?
crois qu'il n'y a pas de baleine dans le petit Oulipo. Mais il y a des tas d'autres animaux, mais ce sont des animaux valises. Donc, du zoo de Jacques Roubaud, voici le corboa. Sur un arbre perché coassait le corboa. S'il ne tenait en son bec un fromage, maître renard par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Comme vous me semblez beau, bla bla bla, votre plumage, bla bla bla, votre ramage, bla bla bla, votre voa, ah. Le corboa, plein de joie, ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en empare, mais le corboa, glissant de l'arbre, l'attrape par la patte et le broie. La morale de cette histoire-là, méfiez-vous, renard, des corboas. De mon petit zoo personnel, le requin marteau. Un requin marteau a été admis à l'hôpital psychiatrique. C'était fatal, il était devenu dangereux pour le peuple des poissons, il n'en faisait qu'à sa tête, ce qui est interdit dans le banc des poissons, son son, où chacun va le chemin de l'autre. On lui a pardonné son premier coup de tête, on s'est inquiété au second, au troisième, il assomme une grand-mère gardon, il a perdu la raison, il est le plus fou des poissons. Le cerf les fesses. Contrairement au mouton à grosses fesses, son cousin, contrairement au bon coco fesses, son voisin, le cerf les fesses est un couard. Toujours inquiet, toujours trouillard, jamais quillet, jamais peinard. Il craint pour ses grands bois dans les basses branches, il craint pour ses sabots dans le marigot, il craint pour son zizi quand il biche, il craint pour sa panse quand il broute, avant de manger il goûte, il chipote, il picore, il fait sa pécore, il craint l'épine pour son cuir, le vent pour ses frisettes, le froid pour son échine, il est étroit, il est serré, on le reconnaît de dos. Merci. Mon métier consiste à descendre mes opposants du premier jusqu'au dernier, à les descendre le plus irrévocablement possible. C'est un métier d'homme, d'abord parce que lorsqu'il est au sommet, l'homme n'a pas envie qu'on le descende lui, ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous se descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis tyran. Il y a eu Caligula, il y a eu Napoléon Ier, il y a eu Jean Bedel Bokassa, il y a eu Somoza, il y a eu les Khmers Rouges, et maintenant il y a moi. Je serai cette année au banc des nations, et au prochain Nobel de la paix, je n'ai aucune chance. Je suis l'homme le plus droit dans ses bottes de toute la terre, le plus froid, le plus tranquille, et mon travail consiste à fabriquer de la crainte. Tous les grands tyrans fabriquent de la crainte. Descendre quelqu'un plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur, tyranniser de telle manière que les autres soient persuadés que votre main tremblera au moment de tirer, jusqu'à ce qu'une génération entière tire comme vous. Dans une vie de tyran, on ne peut inventer qu'une crainte géniale, et une seule. Les Khmers Rouges sont arrivés dans les camps avec la réputation de frères diaboliques, et deux journaux télévisés plus tard, les 50 top tyrans de la planète tyrannisaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand tyran est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je torsionne à temps plein. Je torsionne en discutant avec mon directeur de la police. Je vis avec un attirail électrique portatif dans ma grande poche de mon manteau pour mieux torsionner. Je souris au médecin-chef et à l'ingénieur parce que je sais qu'ils m'aident à torsionner. Je casse la tête de mon ministre de l'Intérieur qui est nul parce que je sais que cela m'aidera à torsionner. Prenez deux chefs à égalité de pouvoir et de matériel sur le même type de nation, mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui tyrannise le mieux. L'arrachage des ongles qui anticipe le passage des paupières au sécateur, je le fais 1000 fois par semaine. La crémation des couilles, celle qu'on fait au chalumeau, je la pratique chaque soir avant le dîner. Je sais toutes les implorations avant qu'elles s'expriment, et sous les 500 volts, je les entends comme une bouillie. Je me prépare aussi pour ces libérations tonitruantes et sans lendemain que les ingérences onusiennes et ONGistes nous imposent.
les libérations tordues qui permettent à Nelson Mandela, le détenu professionnel, de devenir président de la République. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient la position de votre petit doigt sur la couture de l'uniforme. C'est le petit doigt qui fait la réputation. Vous avez fait tailler son ongle en pointe, vous l'avez affûté 14 fois, vous vous êtes mis en colère et vous avez suscité un rire de la bouche d'un supplicié parce qu'en préparant une lacération de gland sur un syndicaliste, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était votre petit doigt. Quand je dors, je travaille. Quand je mange, je travaille. Je répète mes tirades, je modèle mes calomnies. Mes cuisses et mon dos sont intraitables, je porte sans cesse sur la chevelure la marque du tour de la casquette. Lorsque la haine me libère à l'entrée du bunker secret, elle libère des tonnes de travail. Après, il demeure un tyran sur le linoléum, un tyran qui n'a ni tête, ni cœur, ni conscience et qui torsionne pour rester en haut de la montagne plus sûrement que les autres hommes. C'est la règle. Et puis il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du tyran. Vous avez couché à balles réelles 500 manifestants de gauche et même quelques-uns de droite. Vous en concédez 5 à la télé en affirmant qu'ils étaient porteurs de matons de dynamite. Et ça y est, vous avez fait ce minuscule lapsus idiot qui n'est pas d'inattention, car les tyrans ignorent l'inattention, et qui vous tire quelques centimètres en dehors de votre ligne idéale. Et là, c'est le vrai repos. Le repos immense. Vous avez déjà perdu 10% de votre morgue, puis très vite 30%, et la confiance en vous-même. Plus rien n'a d'importance, vous n'êtes plus un tyran. Vos muscles se relâchent, votre esprit s'amollit. Vous savez que vous allez passer la main à votre fiston. Je vais vous lire un poème combinatoire qui s'appelle Bristol, avec un petit S à la fin. C'est un poème composé de 99 vers écrits chacun sur un Bristol. Et donc, je les mélange, et chaque lecture a de fortes chances d'être unique, c'est-à-dire qu'il y a factoriel de 99 lectures possibles du poème, c'est-à-dire une fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, etc., jusqu'à 99. Il fait 9,33 et des poussières fois 10 puissance 155 lectures possibles. Je ne vais pas les épuiser toutes. Donc, des formes qui ne sont pas Bristol. Traverser les plans. Te soustraire où tout est possible. Là. Peut-être tu n'es pas. Perdre la trace. Sur tous les plans possibles. De Bristol, en suspens. Des non-futurs possibles dans le corps des Bristol possibles. Si un Bristol existe. Sans carte, me perdre. Sans plan aucun. Entre les lignes. En tracé possible de tous les Bristol possibles. Sans finalité aucune. En Bristol, que peut-il être? Dans ce blanc-là, péniblement. Faire de ces Bristol un chantier pour une forme de toi. Hors temps, de toi même et différente, dans l'abstraction faite de ton poids. T'additionner, te déconstruire, poser des ombres selon cette forme, me questionnant dans l'espace d'un Bristol qui n'est pas cette forme, toujours dans le possible où tu n'as jamais été. Recommencer, exagérément, dans cette langue qui n'est pas la tienne, pour toujours, parmi les Bristol possibles, pour pouvoir être dans l'incohérence, dans quelque chose qui n'est pas le temps, pour un Bristol possible, m'achevant parmi les multiples d'autres Bristol, comme cela, sans plus d'indication de ces Bristol, à moins de ne pas commencer, refusant les images. Concevoir un Bristol possible au centre d'un Bristol, observant un Bristol de ta voix. Envisager quoi où tu serais peut-être, de tout point simultanément, sur un certain plan de Bristol, où tu n'es sans doute pas. Penser qu'une ville n'est pas, me contrefaisant, me contredisant, aimer de loin, pour finir, sachant qu'un de ces Bristol peut être, où tu es peut-être, en absence. Reconstruire pour rien, te poursuivre aveuglément sur Bristol, insuffisamment dans la mienne confusion,
des choses non advenues, concevant d'un Bristol la forme, dans la forme d'un Bristol qui n'est pas cet espace. Te décalquant, sachant que c'est inutile, multipliant les Bristols possibles, m'aveuglant, découper des carrés, presque, et toujours sans lumière, sur le papier, tirant vers une fin, loin, sous le poids des Bristols possibles, simplement. Comprendre quoi ? Faire de ces Bristols un champ, lançant des campagnes. Je prépare une douzaine de conférences consacrées au roman. Cette première conférence s'intitule « Comment commencer un commencement ?» Et bon, enfin voilà un roman, je vais vous le lire en entier, ce sera plus simple. Oui, on a le temps. Je suis Barent, né sur la terre de Straft, non loin de l'empire de Gotlin et ses trolls déments. Quand son ventre me cracha, ma mère donna sa vie pour la mienne et s'en alla chevaucher les éclairs au royaume secret d'Olona. Aussi, au jour de mes 3 ans, pour le pardon des dieux anciens, mon père me trancha de sa lame l'annulaire gauche et le donna à manger aux chiens. C'est le privilège du fils unique de ne pas perdre la main tout entière. Je devins alors Vinervim, 4 doigts. Bon, je vais peut-être pas tout lire. Bon, si vous êtes encore là à m'écouter, vous devez vous demander ce qui va arriver à ce brave Barent, mais bon, voilà, je préfère m'arrêter tout de suite. Avant que vous ne vous attachiez trop à lui. Bon, je l'avoue, j'ai toujours rêvé d'écrire une histoire nordique, une grande saga avec des fjords, des drakkars, mais je crois que j'ai seulement 5 minutes et je vois mal comment traiter dans une saga nordique les sujets actuels qui, franchement, sont les seuls qui se vendent au plus de 15 ans. Je ne vois pas un type comme Barent s'interroger sur sa virilité, devoir payer une pension à son ex-femme, remarier avec son avocat. Non, je vous assure, je m'arrête maintenant, c'est mieux pour tout le monde. Bon, je vais me lancer, ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà bien fait perdre votre temps. Vous n'êtes pas là pour écouter un type qui tergiverse. Et puis bon, si vous décidiez de partir là maintenant, personne n'irait vous le reprocher. Il est déjà 9h20. Non, bien sûr, je pourrais faire comme Brotigan dans je ne sais plus quelle nouvelle. Il balance au lecteur un incipit comme « Il y a des milliers de nouvelles qui commencent de façon originale. Ce n'est pas le cas de celle-ci. » Et puis, il explique qu'il faudrait commencer comme Jack London dans « Le loup des mers ». Et que ce qui a marché en 1904 peut bien marcher aujourd'hui. Oui, je pourrais commencer comme Brotigan, le problème qu'il a déjà fait en 1969. Quand rien ne me vient, j'ouvre des livres au hasard et je recherche des premières phrases inspiratrices. Je désespère, c'est à croire que tout a déjà été écrit. Le contexte météorologique, c'est-à-dire débuter comme Francis Carco dans Jésus Lacaille par « Il pleuvait ». Franchement, aujourd'hui, ça n'est plus raisonnable. Ça a commencé comme ça. Céline l'a utilisé, ça en est plutôt bien débrouillé, mais maintenant, bon. Le texte miroir qui s'autodéfinit, genre, d'abord une phrase courte. C'est intéressant, je soupçonne même qu'on puisse tirer le fil sur tout un livre, mais je vais quand même pas recopier Marcel Benabou. Ouais, c'est pas possible. Bon, bien sûr, je pourrais aussi commencer comme Italo Calvino. Tu vas commencer le nouveau livre d'Italo Calvino. Détends-toi, concentre-toi. Parfois j'y pense, mais j'ose jamais. J'ai peur qu'en lisant « Tu viens d'entrer dans un roman d'Hervé Le Tellier », le lecteur ne me prenne pour un type un peu dérangé. Et puis il y a toujours le risque suprême, celui de tomber sur le lecteur et qui ne la fait pas, celui qui en lisant « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon », va reconnaître Anna Karenine au premier coup d'œil. Et puis si j'écrivais « Tous les mauvais romans se ressemblent, mais chaque bon roman l'est à sa façon », je pourrais laisser croire qu'il s'agit d'un hommage à Tolstoï, mais tôt ou tôt, il me faudra du neuf. Alors à ce moment-là de la conférence, je suis presque à regretter d'avoir lâché si vite mon Barent du début. Oui, Barent, vous vous souvenez, il n'était pas le héros idéal, mais j'avais déjà gâché un petit peu de temps précieux il y a 4 minutes, et j'aurais dû rester en sa compagnie, j'en serais pas là et vous non plus.
Barent aurait peut-être déjà tué deux ours, taillé son premier arc dans un jeune boulot du Vinland. Une vraie histoire du Nord, quoi. Je suis désolé. Je m'échine souvent à trouver la première phrase, alors que peut-être il me suffirait d'écrire un truc comme « Le crabe traversa la plage en crabe, ce qui est dans sa nature. » Cette énergie qui a du mouvement, et puis c'est toujours bien de commencer un texte par une phrase où il y a un crustacé. Après, on est tous d'accord, ça ne peut que s'améliorer. Peut pas être mauvais non plus de déconcentrer l'adversaire. Par exemple, le premier mot pourrait être « ensuite ». Le lecteur est pris par surprise. Après, il faut tenir la distance, mais ça, c'est affaire d'entraînement. C'est bon, hein? Oui. Ah oui, je digresse, et je me rends compte avec vous, je suis presque à la fin de mes 5 minutes. Alors, pour la chute, il n'y a pas de règle non plus. Les aventures d'Abarent s'achevaient par... Nous nous glissâmes dans la pénombre. Une magnifique phrase de fin. Je regrette un peu qu'il n'y ait rien entre. Je vous remercie. Mon métier consiste à me remplir les poches du bas jusqu'en haut, à me les remplir le plus rapidement possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il a des poches, l'homme a envie de se les remplir. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes sur une place financière, ils veulent tous se les remplir plus vite que les autres. Un métier humain, je suis spéculateur. Il y a eu Rockefeller, il y a eu Goldman Sachs, il y a eu Madoff, il y a eu les Chicago Boys, et maintenant, il y a moi. Je ferai de ma boîte cette année la vedette incontestée du CAC 40, et à la prochaine distribution de bonus, c'est moi qui raflerai les plus gros. Je suis l'homme le plus équilibré de la bourse, le plus calme, le plus concentré, et mon travail consiste à fabriquer des rendements mirobolants. Tous les grands spéculateurs fabriquent des rendements mirobolants. Se remplir les poches plus vite, c'est d'abord se les remplir autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur, se remplir les poches de telle manière que vos collègues, même ceux du Crédit Lyonnais ou de la Société Générale, soient persuadés que vous allez finir en tôle, jusqu'à ce qu'une génération entière se remplisse les poches comme vous. Dans une vie de spéculateur, on ne peut inventer qu'une façon géniale de fabriquer des rendements mirobolants et une seule. Les Chicago Boys sont arrivés sur les marchés avec la réputation de suppôts du libéralisme sauvage et deux exercices plus tard, les 50 patrons de la finance internationale spéculaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un bon spéculateur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je spécule à temps plein. Je spécule en poussant à fond le moteur de mon coupé Mercedes gris métallisé sur l'autoroute vers Deauville le vendredi après-midi. Je vis avec des traités d'économie financière américains dans ma serviette en croco de chez Hermès pour mieux spéculer. Je souris au secrétaire général de l'Élysée et au directeur de cabinet du ministre de l'économie parce que je sais qu'ils m'aident à spéculer. Je casse la tête du président de la COB, ce qu'on appelle aussi le gendarme de la bourse, qui est nul, parce que je sais que cela m'aidera à spéculer. Prenez deux hommes à égalité de capitaux et d'expérience sur la même OPA hostile, mettez-les à côté l'un de l'autre, et c'est toujours moi qui me remplis les poches le plus vite. La vente massive au plus haut taux d'actions pourries, un mois avant l'annonce publique d'un dépôt de bilan à la bourse d'Athènes, je la fais 100 fois par an. Le délit d'initié sur l'explosion imminente du cours de l'étain de Nouvelle-Calédonie, celui qui vous permet de rafler au passage d'un simple clic quelques millions d'euros. Je le fais chaque soir avant de me coucher. Je connais au centime près le cours de tous les hedge funds basés aux îles Caïmans et sans même avoir à jeter un coup d'œil sur mon ordinateur, je les vois passer dans ma tête à une vitesse vertigineuse. Je me prépare aussi pour ces opérations molles et indécises que les hasards des interventions des pouvoirs publics ou de la Caisse des dépôts et consignations nous imposent, ces coups tordus qui permettent à un Bernard Tapie de passer pour un aigle de la finance. Tout compte dans votre carrière.
Un jour, l'essentiel devient le décalage horaire avec la bourse de Doha. C'est le décalage horaire avec la bourse de Doha qui fait les rendements les plus juteux. Vous avez étudié à fond les tendances du marché à terme, vous avez vérifié 14 fois le cours du manganèse et du tungstène à New York, à Londres et à Shanghai, et vous avez raté un sacré paquet de dollars parce que, au moment de confirmer électroniquement votre ordre d'achat, vous vous êtes demandé quelle heure il pouvait bien être à la bourse de Doha. Quand je dors, je spécule. Quand je mange, je spécule. Je dessine des courbes de croissance, je peaufine des modèles mathématiques, je guette les dernières statistiques publiées par le Club des économistes. Mon œil et ma cervelle sont intraitables, je porte sans cesse sur les mains les traces de l'encre d'imprimerie du Wall Street Journal. Lorsque sonne la cloche d'ouverture de la séance à la bourse, elle libère des tonnes de travail. Après, il reste un spéculateur sur le qui-vive, qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui spécule pour se remplir les poches plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du spéculateur. Vous avez pris à fond vos bénéfices avec la vente d'un énorme stock d'actions d'EDF, vous entrevoyez déjà ce que peut vous rapporter la fusion projetée entre Google et Yahoo, et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide, qui n'est pas d'inattention, puisque les spéculateurs ignorent l'inattention, qui vous fait sous-estimer une soudaine inversion des cours sur la place de Singapour. Et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu 100 millions de dollars, puis très vite 1 milliard, et la totalité des fonds propres de votre boîte. Plus rien n'a d'importance, vous n'êtes plus un spéculateur, vos muscles se relâchent, votre esprit se libère, vous savez que vous allez être viré comme un malpropre. Oh là, je vous laisse deviner le texte souche, hein, je vous le lis comme ça. Pour faire la pose d'un oisif, peindre d'abord une cagnotte avec un porte-avions ouvert. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oisif. Placer ensuite la toiture contre un arc-en-ciel dans une jarre, dans une boîte ou dans une forge. Se cacher derrière l'arc-en-ciel sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oisif arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longs anniversaires avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des anniversaires la vitre ou la lentille de l'arrosage de l'oisif, n'ayant aucune raquette avec le rêve du tablier. Quand l'oisif arrive, s'il arrive, observez le plus profond silicone. Attendre que l'oisif entre dans la cagnotte et quand il est entré, fermez doucement le porte-avions avec le pince-nez, puis effacez une à une toutes les barriques en ayant soin de ne toucher aucun des plum-puddings de l'oisif. Faire ensuite la pose de l'arc-en-ciel en choisissant le plus beau de ces brandebourgs pour l'oisif. Peindre aussi le vert feuillet et la fraise de la ventouse, la poutre du solfège et le brûlis des bétons de l'herboriste dans la chamade de l'éternité. Et puis, attendre que l'oisif se mette à chanter. Si l'oisif ne chante pas, c'est mauvais silence. Silence que le tablier est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon silence. Silence que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement, un à un, les plumes pudding de l'oisif, et vous écrivez votre nomenclature dans un col du tablier. Jacques Prévert, Petit Robert, S plus 7. Voici maintenant une lecture collective d'un homosyntaxisme. Donc, nous allons vous lire des textes et il faudra que vous nous disiez quel en est le texte souche. Le distrait. Le distrait oublie, sa vie est faite de larges trous dans lesquels tombent ses précieux et futiles trésors. Aux objets trouvés, on le connaît. Ses clés, son parapluie et son portefeuille vont et viennent. Le distrait passe au bureau, sage, il attend qu'on lui rende son bien. Pour aujourd'hui,
sa cravate, pour demain son béret, et juste au-dessous, sa tête. Madame Sabot. Madame Sabot est en chaussons et marche nu-pieds. Ziut-la toute chaude, toute noire, ta voisine, ta cousine, ta maîtresse qui t'apprend de l'arithmétique et des secrets de la vie. Pour la contempler, cache-toi de ta mère, cache-toi aussi un peu de toi-même, pas trop. Un enfant facile à vivre a des secrets, ses secrets, les secrets du livre des secrets. Un écrivain qui n'écrit pas de livre, avez-vous déjà vu cela? Plutôt rare, non? Et un poète qui se veut muet, sourd aux séductions de la rime et de la métaphore. Cherchez donc dans les anthologies, les dictionnaires ou les encyclopédies, fatiguez-vous à fouiller dans les bibliothèques, vous n'en trouverez pas trace. Normal, direz-vous, on ne mérite pas le nom de poète ou d'écrivain sans la publication d'au moins une œuvre. L'histoire raconte ce que l'histoire ne dit pas. Un certain jeudi, en marchant, épouvantables et épouvantés, Marc, Sam et Gisèle rencontrent leur destin. Arrestation pour baiser volé. Ils avalent leur terreur qui se mêle au baiser. Piteux, ils supplient, mais subissent chatouille sur chatouille, sans merci, sans fin. Le texte que je vais lire n'est pas de moi, il est de Michel Audin et il comporte une contrainte supplémentaire, en sus de celle que vous devez deviner. Un âne boit. Un âne boit. Deux chèvres dégustent un énorme festin, puis grignotent un haut, un immense jasmin. Trois koalas et quatre lapins mangent des noix. Cinq okapis et six panthères se querellent, puis se réconcilient. Sept souris récitent un unisson plutôt vague. Qu'est ceci? Qu'est cela? Quatre adjectifs, 16 noms. Une histoire? Sans yak ni zèbre? Les mammouths de Jacques Roubaud. Les mammouths toussent, les mouettes tanguent, affolées. Les mulots trépignent, agiles, allègres, moineaux, moustiques et merlettes se trémoussent. Le mari de Madame Microbe se tapote et se triture le menton. Taisez-vous, moule trop agitée, tonne et tempête le maître. Et tout autour d'eux, la mer, la mer, la mer, la mer. Alors, des suggestions? Vous avez trouvé? Je vois qu'il copie. Ça ne sert à rien. Alors voilà, donc ces textes respectent tous la même séquence, nom, verbe, adjectif. Nom, verbe, nom, verbe, adjectif, nom, verbe, adjectif, adjectif, nom, 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 verbe, etc., etc. Cette séquence qui est une séquence déduite d'un texte que vous connaissez peut-être, et qui est « La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue ». Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » Donc tous les textes que nous avons lus sont sur ce schéma syntactique et ils le reproduisent exactement. Le texte de Michel Audin, donc « Un âne boit ». Voilà, c'est très très simple. Vous n'écoutez pas les mots-outils, écoutez uniquement les mots à contenu sémantique. Vous entendez un âne boit. Remarquez bien la lettre initiale. Un âne boit. Deux, chèvre déguste. Un énorme festin. Puis grignote un haut, un immense jasmin. Ordre alphabétique d'intervention des termes à contenu sémantique. L'an dernier, Jacques Roubaud et moi-même avons été invités par le Centre dramatique de Bretagne, de Lorient, à séjourner quelques jours à Lorient pour composer des poèmes sur la ville. Et le livre vient juste de sortir, je crois qu'il est sorti hier en librairie. Il s'intitule « À Lorient » et il est édité par les éditions Apogée, qui sont des éditions rennaises, qui ont bien voulu éditer ce livre. Merci.
Je vais vous lire deux poèmes de Jacques Roubaud et l'un des miens. Je commence par le poème de Roubaud intitulé « Les lilas ». Le séjour était au mois de mars, donc voilà, il commençait à y avoir des fleurs. Lilas. Lilas. Pas encore ouvert, lilas. Lilas. De l'Orient, pas encore ouvert, lilas. Couleur lilas trop sombre, lilas. Lilas, commençant à s'ouvrir, lilas. Commençant à prendre leur couleur, lilas. En grappe, lilas. Lilas, ouvert, lilas. Couleur lilas. Partout en grappe, pendant que tombent les glycines. Lilas. Lilas. Et un deuxième poème de Jacques Roubaud intitulé « Rêve de la nuit du 22 mars ». J'étais face à une façade noire, avançant à tâtons sous le couvercle du ciel noir, bousculé d'ailes d'oiseaux certainement noires. J'entendais un karaoké de corbeaux. Le haut-parleur de la gare déversait le Messie, Handel. Je criais, criais. Désespéré, j'ai envoyé un SOS par SMS. Le lendemain, marchant, j'ai reconnu la rue Braille, près de l'impasse Morse. Quai des Indes, l'une des adresses de l'Orient. S'être arrêté quelques jours à l'Orient suppose une apostrophe, tombée dans l'océan qui bouge sous le nom d'un port de mer. Oui, l'Orient comme direction, comme orientation justement, le levant redoublant le, et vers lequel on ne part plus aussi décisivement que jadis en prenant tous les risques, un bateau sur quatre ne revient pas entier avec sa charge. Apostrophe, océan, orientation, redoublant, risque, charge. Le Lorient de mon enfance était en ruine, tandis que l'océan de la même époque était intact, une bombe dans la mer égale un coup d'épée dans les eaux. Quoi de plus grave qu'une marée noire, Remember Erika, qui ne veut pas dire j'ai trouvé, mais bel et bien j'ai coulé. Le commerce partait du quai des Indes et y rapparaissait. Ruine, intact, eau, Erika, j'ai coulé, rapparaître. De longs mois plus tard, s'il se faisait qu'il eût eu bonne fortune, atteint les Indes, je voudrais qu'à Mahé ou Pondichéry, il y ait un vieux quai des France ou des Europes avec S. Une ville est liée pieds et poings à des matériaux, des richesses, canons, charbon, poissons, tissus d'Indienne, lames de Tolède, commerce triangulaire où les armes sont les nouveaux nègres. Fortune, Pondichéry, Europe, richesse, Tolède, nouveaux nègres. La richesse d'une ville est dans le nom, le sol, dans le plan, dans les caves, sur les façades, signées dans l'architecture. Pour le poisson, le grand frigorifique est une cathédrale. Au lieu d'un sous-marin sans écailles, sans arêtes, sans ouïes, sans nageoires, sans otolithes, au lieu d'un bar de ligne qui n'a pas d'hélice et n'en a pas moins sûrement navigué. Richesse, architecture, frigo, sous-marin, otolithe, navigué. Le père veut que le fils travaille là où le pain est sûr, c'est-à-dire à l'arsenal, la pêche bat de l'aile, a du plomb, toujours besoin de bras pour corriger l'envasement du port, et la machine à mater les bateaux qui est sur les gravures ne mate pas toute seule et non plus à ses moments perdus. La ville ne reste pas les deux pieds dans ses sabots de quai, le pain, le plomb, envasement, maté, moment perdu, quai. Je me promène sur le quai des Indes, vêtu du dhoti, ou vêtu du sari et nu-pied sur les pavés aux arêtes, émoussés, une malabaraise et deux coromandéliennes, belles, déambulent aussi dans mes pensées qu'elles pimentent, écarquillent leurs yeux noirs fixés sur les miens qu'elles pigmentent, une adresse de plus parmi des quantités, le quai des Indes, dhoti, sari, émoussé, pensée, yeux noirs, quantité, lieu des listes, lieu des comptes,
et lieu des inventaires. Je tiens à vous rassurer par avance, le texte que je vais lire n'est pas de moi, il est de Yann Monk. Tu tiens à te rassurer par avance. Nous sommes à Rennes, nous sommes jeudi. C'est un texte topique. Mon métier consiste à descendre du haut de la bouteille jusqu'en bas. Et la descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que quand la bouteille est pleine, l'homme a envie de la descendre. Ensuite parce que quand il y a plusieurs hommes autour de la même bouteille, ils veulent tous la descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis buveur, j'habite rue de la Soif. Il y a eu Noé, il y a eu Gargantua, il y a eu Verlaine, il y a eu Gainsbourg, il y a eu les Polonais, et maintenant, il y a moi. Je serai cette année champion du monde, et à la prochaine Beerfest de Munich, j'aurai le Bock d'or. Je suis l'homme le plus déséquilibré du distro, le plus loquace, le plus incohérent, et mon travail consiste à me fabriquer de l'équilibre. Descendre plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Faire peur, boire de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas sur vos pattes jusqu'à ce qu'une génération entière boive comme vous. Dans une vie de buveur, on ne peut inventer qu'un équilibre génial et un seul. Les Polonais sont arrivés dans les bistrots avec la réputation de pochetrons pourris, et 2 mois plus tard, les 50 top buveurs picolaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand buveur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je picole à temps plein. Je picole en allant sur les terrasses en plein été. Je vis avec un sac de 50 litres de pinard sur les épaules pour mieux picoler. Je souris au barman et à la serveuse parce que je sais qu'ils m'aident à picoler. Je casse la tête de l'autre pilier de bar à la con, là, parce que je sais que cela m'aidera à mieux picoler. Prenez 2 hommes. À égalité de poids et de fric dans le même bar. Mettez-les à côté l'un de l'autre et c'est toujours moi qui picole le plus vite. La bouteille de rhum agricole de la Martinique, je me la fais 7 fois par semaine. Les canettes de Top Premium Lager, celles qu'on boit avec des idées qui flanchent, je me les fais chaque soir avant de me coucher. Je sais tous les taudis de la France au centimètre près. Et avec le coude qui se lève à 140 à l'heure, j'y vois le monde qui passe au ralenti. Je me prépare aussi pour ces boissons douces et molles que les hasards de la vie professionnelle nous imposent. Les boissons non alcoolisées qui permettent à un Nick Sarkozy, l'anti-alcoolique, de devenir un champion de la descente. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient la position de votre petit doigt. C'est les petits doigts qui font la différence. Vous avez curé vos ongles, vous avez changé 14 fois de grosses bagues, vous êtes mis dans tous vos états et vous avez oublié 2 doigts de votre 2016 sur le comptoir parce qu'en allant faire pipi, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte se trouvait votre petit doigt. Quand je dors, je bois. Quand je mange, je bois. Je dessine mes trajectoires, je modèle mes inks, mes reins. Et mon foie sont intraitables. Je porte sans cesse au front la marque d'où je me cogne en remontant de la cave. Lorsque l'ouverture du bistrot m'accoude au bar du bistrot, elle libère des litres de travail. Après, il reste un buveur en piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes et qui picole pour arriver aux plumes plus tard que les autres. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, le repos absolu, le repos du buveur. Vous avez passé de la gauche à la droite du comptoir, vous alliez monter sur le tabouret et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide qui n'est pas d'inattention, puisque les buveurs ignorent l'inattention, qui vous tire quelques centimètres en dehors de la ligne idéale. Et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu les pédales, puis le nord, puis pied. Plus rien n'a d'importance, vous n'êtes plus un buveur, votre estomac se relâche, votre esprit se brouille. Vous vous rendez compte que vous vous êtes cassé le coude. Nous
nous allons finir sur un classique des lectures oulipiennes dû à Georges Perec. Je vous laisse deviner la contrainte. Smarta falzar d'alpaga nakara, fracaraba brassard à la françals, chapka d'astrakan aglan à la cranac, bas blanc, gants blancs, grand crachat d'apa à strass, raglan afghan à falbala, andras macadam, machant d'agassan partaga, ayant à dada l'art d'alandad, cavala dans la pampa. Passant par là, pas par hasard, marchant à grands pas, bravalant, Armand d'Artagnan, craque pas bancal, as à la sana, la graffa. Car l'an d'avant, dans l'Arkansas, flashback. Carambac, la mamax. Pas cap, lança Andras. Par là, t'as pas la baraka, cracha Max. Par Satan, bava Andras. Match pas banal. Andras, macadam, campagnard pas bavard, bravant Max van Zapata, malabar pas marrant. Sa barda, sa castagna dans la cagna cracra, sa balafra, sa la malalala, splatch, paf, scratch, bang, crac, ramdam astral. Max planta sa navaja dans l'avant-bras d'Andras, ça rata pas, ça va pas, fada, brama Andras, sa falante à grand fracas, Max l'accabla, ha ha, caf la grande d'asma sagrada, ça va à part ça? Bâtard, vachard, castral, afflant, râla, Andras, blafard. Bang, bang. Andras, magadam, cracha sa valda, Max l'attrapa dans le baba, flancha, flagada, agar, raplapla. Barakam, raja d'Alcantara, va, barabas, scanda, Andras. Alas, alas, Anna, Max, clamson. Andras, macadam, Alcatraz, Armand d'Artagnan avança dans sa saga. Cravatant l'anar Abraham Hawks à Rabat, passant à Aktaba, Clark Marshall à Jaffa, scalpant Frank Madman Santa Campana à Malaga, fracassant Baltar, canardant Balthazar Stark à Alma-Ata, Kazakhstan, massacrant Pascal Achar à Granada, cachant l'Agacan dans sa jague à Makassar, acclamant la Calas à la Scala, gagnant à la Canasta à Jakarta, dansant Samba, Javas, Xarda, Sardas, Raspa, Cha-Cha-Cha à Caracas, valsant à Bandarabas, adaptant Franz Kafka à l'Alhambra, Gadda à l'Alcazar, cravant Sarah Char à Bataclan, Hans Falada à Harvard, paraphrasant Chaban à Kajar, Calfatan, Yap, Catamaran, Chaland à Grand Bassam, Sablant à Ra, Anap, Cramant d'Ayala, allant dans sa Packard d'Atlanta à Galahad's Ranch, Kansas. Lampan, Schnapps, Grappa, Mar, Armagnac, Marsala, avalant Calamar à la Nana, Tarama sans safran, Gambas, Cantal, Clams d'Alaska, chassant Panda à Madagascar, chantant Mal, Bach, Brahms, Franck à Santa Barbara. Barman à Clamart, Watman à Gand, marchand là-bas à Panama, Dagaragara à Arras, Dama à 40 ans, charmante à Ankara, la vamp Amanda, la star dans Tour the Manastolas Caracalla. Catchant à Marmara, dans la Casbah d'Akbar, Nabab d'Agra, grand flambard, passant dans Trax Nasal, sans mal, tard, tard, dans sa datcha à Karl Marstadt, s'arrassant dans l'alarmant Graba à drap blanc, lançant Atlas, gla fatal, abracadabra. Et c'est signé Gargas Parak. C'est ainsi que se termine cette lecture oulipienne décentralisée. Donc, Rennes, et je voudrais au nom de l'Oulipo remercier Rennes pour sa gentille attention. Merci. Et remercier toute l'équipe ici qui nous a aidés ce soir à la technique, toute l'équipe formidable de là derrière et d'au-dessus qui a fait cette expo formidable que je vous invite à aller tous regarder de très très près. Et puis remercier Bénédicte Gornouvel qui est ici et qui fut notre ange gardien. Et notre garde du corps. Et notre guide.